Bonjour, nous sommes lundi de Pentecôte. Alors, j'ai pas publié lundi parce que si tu veux, ces trois derniers jours en fait, j'étais en production. J'ai super bien avancé, c'est cool. Mais à la base, j'avais dit, faudrait quand même qu'on s'octroie une journée sur ce long week-end off avec Eric. Et donc, c'est aujourd'hui. J'ai réservé un restaurant qu'on n'a jamais testé, qui est pas hyper loin, 15-20 km de la maison. Donc ça, c'est parfait dans une petite ville en plus très jolie. Parce qu'à la base, ce matin, on a déjeuné. Il y avait BFM en fond. Et je dis, tiens, si on allait à Chartres, ça peut être cool. Et là, on entend aujourd'hui le grand pèlerinage de la Pentecôte à Chartres. Donc autant dire que ça va être blindé, ça va être aussi bien. Je cherche mon chat. Quelqu'un l'a vu? Sa tête. T'es bien là? Ah oui, tu prends le soleil, mon biou. T'as bien raison. Voilà, nous sommes arrivés à la Herse, à Bonneval. Ça, c'est une petite table toute mignonne. C'est un rancard, bébé? Ça, on dirait, c'est un cocktail. C'est le cocktail. Il y a des bubble tea, tu vois ou pas? Non, je ne sais pas. T'as goûté? Oui. C'est bon? Très bon. Amuse-bouche, minis, crème de poivron, je crois, et puis petite chiffonnade. Hein. C'est une belle pièce, hein, de veau. Tartare du chef, avec des frites maison. Bon, j'ai pris la planche, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Alors, on a une profiterole, on a un nougat glacé, on a... ça, je sais plus. Brioche, pain perdu. Tarte au citron, ça, ce sera pour toi. Je suis pas fan, souvent, c'est trop sucré. J'ai absolument pas filmé hier, hein, à la sortie du resto. Déjà, premièrement, j'avais le ventre. Parce que moi, ce dessert-là, c'est tout frais dans votre tête. Quand je l'ai commandé, je pensais que c'était vraiment des petites mignardises. J'ai pas voulu gâcher, bah j'ai tout mangé. Par contre, c'était excellent. Et en sortant du resto, il s'est mis à pleuvoir. Il y avait de l'orage, donc on est rentré. Et on s'est maté Avatar, le 2. Ça faisait un petit moment que c'était sorti. On l'avait pas vu, ça durait 3 heures. Et à la fin du film, il était déjà 19h, vous voyez. Mais vraiment une journée off, très appréciable. Là, je suis en train de me préparer. Je vais tourner le contenu de la box de mai. Je vais mettre un petit peu de gloss. Allez. Bon, j'arrête. Il est 5h30. Je commence à être barbouillée. Trop d'écran, trop de montage, trop de concentration comme ça. En plus, Eric, il va pas tarder. Je viens de lui envoyer un petit message. Ça me dit que moi, il cherche un goûter. Je sais qu'il aime bien. Et moi, ça va me permettre aussi de sortir, de prendre l'air en plus. Waouh, c'est lumineux. Ça serait vraiment dommage de pas sortir. Et puis, je reprendrai après. Il me restera deux petites choses à terminer. Voilà, tranquille. Bah, je te reconnais. C'est la jaquette. J'en ai parlé dans la vidéo de présentation, mais pensez aux cartes cadeaux que vous pouvez prendre jusqu'au dimanche de la fête des mères, en fait. Et je sais que ça fait super plaisir, vous prenez un mois, trois mois, six mois. Il y a juste à activer le code et vous dites à votre maman que voilà, elle va avoir une, trois ou les six prochaines box. Le boudoir, voilà, parce que au moment où vous voyez cette vidéo, elle sortira vendredi, donc la fête des mères, c'est dimanche, ouais. Oui, il me raccroche au nez. Qu'est-ce que c'est? C'est mieux là? Bah pourquoi t'as la radio? Tu coupes la radio? Ça marche que pas sur mon téléphone. Ouais, j'arrive dans deux. Eh bah, c'est pas terrible là. Ah, je me sens, vous savez, contente du travail fourni. Voyez l'idée? Ce matin, j'avais une to-do list longue comme qui? Je me suis dit, ouais, c'est mort. Et j'ai tout fait, j'ai tout coché, tac, 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 tac. Et je me suis levée à 6h ce matin et j'étais OP très tôt. Ça aide, franchement ça aide. En plus, il y a le transporteur qui est venu pour la deuxième grosse fournée de box que vous avez vu dans ce vlog, je pense. Il est passé ce matin, donc ça c'est bon. Enfin, plein de trucs qui étaient aussi chiants à faire et que j'ai fait. Ah, il n'y a qu'un truc que j'ai pas fait, faut que j'appelle demain, tiens, important. Non, moi c'est vrai que pour soir, j'avais envie de fraîcheur. Par contre, je me suis pris un muffin myrtille, c'est ça? Ça n'a pas l'air mauvais du tout, ça. Par contre, moi, je vais pas manger de pizza. Hein. C'est plus pour vous, mais non, je me ferai genre des légumes, moi, je pense. Non, non, c'est mimi. Oh là, c'est quoi ce cadrage? Donc, il est l'heure de manger. Je suis en train de regarder le replay de la demi-finale de The Voice. Et là, je vais me faire. Donc là, je fais deux œufs durs. Et je me fais des pois chiches que je viens écraser. Et je rajoute du paprika, sel, poivre pour ceux qui veulent, échalotes. C'est formidable, j'en ai pas, mais c'est vraiment bon. Et filet d'huile d'olive. Voilà, ça va me faire mon repas de ce soir. Impeccable. J'aime bien ça, les pois chiches, moi, en plus. Mais vraiment, si vous faites cette recette, il faut rajouter tout ce que je vous dis pour que ce soit vraiment très goûteux. Par contre, c'est assez chiant à faire. Hein, de tout écraser. Mais
Je crois que c'est fait. Il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà, donc là je l'ai bien écrasé. Je vais mettre un petit peu de curcuma. J'ai pas de paprika. Et je vous dis, j'ai pas de, de petite échalote parce que ça se marie vraiment bien. Bon, après vous pouvez mettre de l'ail, hein, ceux qui digèrent bien l'ail, bien sûr. Nous sommes jeudi. Hier, j'ai absolument pas pris ma caméra. J'étais en montage toute la journée. Et en fait, ce qui va se passer aujourd'hui, Eric est convoqué sur Chartres pour faire passer des examens, je dirais, de bac. Et à la base, il m'a dit, ça dit de venir. J'ai accepté. Et je me suis dit, en même temps, je vais en profiter pour tourner peut-être deux vidéos. Il va me laisser au centre commercial sur les coups de 14h moins un quart. Et j'en ai profité déjà pour me prendre un petit rendez-vous de pose de vernis semi. Et je vais en profiter aussi pour tourner les vidéos que j'ai en tête, et après je pense qu'il rentrera vers, enfin, il viendra me chercher vers 17-18h, et on a dans l'optique de peut-être passer la soirée sur Chartres, donc manger là-bas et peut-être même dormir. Rien n'est fait, mais c'est voilà, c'est le projet. Je vous emmène avec moi. Je suis arrivée, je me suis tentée quand même. Il y a un coiffeur qui m'a demandé s'il pouvait me prendre pour faire mon carré. Au cas où, vu que j'ai du temps, hein, je vous dis, il n'est pas là avant 18h, 18h30, et là il est que 14h moins un quart. Bon, il n'y a pas de place, elle m'a dit si à 10 seulement, je vous préviens. Moi, je suis arrivée un petit peu plus tôt. J'ai plus qu'à attendre et choisir ma couleur. J'ai bien envie de partir sur du rouge, alors est-ce que je prends un rouge carpette ou un rose clair? C'est vraiment les couleurs que je fais tout le temps, rose clair ou rouge. Quoi que j'aime bien le marron noir, mais plus l'automne. Un très très joli résultat. Finalement j'ai pris le rose très clair, j'adore cette couleur, et je suis repassée chez le coiffeur parce qu'elle m'avait dit tout à l'heure que c'était blindé, il n'y avait pas de place, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, et là elle me dit ma cliente n'est toujours pas là, ça fait 10 minutes, donc repasser dans 5 minutes au cas où. Parce que je sais même pas si je vous ai dit, mais j'avais envie de me couper les cheveux. Si, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Ah, et aussi j'ai pris le modelage hydratant, elle m'a fait un massage et tout, hyper agréable, et surtout les mains super douces. Bon, je vais faire une petite pause tarte. Je vous raconte quelque chose, parce que la probabilité pour que, lorsque je retourne voir la coiffeuse, alors qu'elle avait un rendez-vous à 14h, elle me dise bah finalement elle ne viendra pas, je peux vous prendre. Et me voilà. Elle a coupé, ils arrivaient là, donc elle a coupé tout ça, tout ce qui était pété en fait. C'est même moi qui l'ai calmé parce que je voulais couper encore plus. Elle me dit non, je pense que vaut mieux y aller progressivement, vous risquez pas de le regretter, mais un peu quand même. Ouais, très bien. Très bien, le seul problème c'est quand je change de coiffeur à chaque fois ça manque de volume, donc je vais peut-être me rajouter ma petite barrette. Je vais me faire ma petite tarte aux pommes et après je vais aller voir 2-3 boutiques de fringues, H&M, tout ça. Elle est super bonne. Là, je suis chez H&M, regardez, c'est sa nouvelle collection. Je la trouve quand même très jolie. Mais j'ai un doute, et quand on a un doute, je l'ai prise en XS. Parce que pour que ce soit bien cintré, vu qu'il n'y a pas de ceinture. Et ben là. Je dois dire que celle-là aussi elle me fait peur. Drapée, robe longue, mais c'est la matière qui me fait peur. Retour dans la cabine. Je l'essaie. Bah écoutez, c'est pas laid. Bon, j'ai gardé mon jean. Flemme. C'est joli quand même, hein. C'est très vert. Voilà, donc le jean, c'est sûr pour se faire une idée, c'est pas ouf. J'aime bien le drapé comme ça. Finalement, je crois que je préférerais que en haut parce que de dos j'ai regardé ça. J'ai changé de boutique. Je suis pinky, la meuf est obligée de vérifier. Et j'ai essayé un haut. C'est une matière très agréable en plus. Là, on se rend un peu mieux compte, je fais gaffe parce qu'il y a du monde à côté. Ça sert un peu, mais je pense qu'on s'y fait au bout d'un moment. Il est assez court quand même. On n'est pas sur du crop top, mais pas loin. Mais j'aime bien les t-shirts gris. Avec une veste par-dessus, je. Ouais, je vais peut-être le prendre. Je me suis acheté une robe chez Bisbee. Et j'ai demandé aux filles, elle taille comment? Elle dit on sait pas, on l'a jamais essayé. Je l'ai essayé, elle m'a dit waouh, on l'a jamais porté, on pensait pas, parce que vu comme ça, moi j'avais peur que ça fasse mes mères. Et comme quoi, faut l'essayer. Elle est trop belle, je l'ai achetée. Pour le coup, je suis trop contente. Et là, je vais finir parce qu'il est 18h, je pense qu'il va pas tarder à m'appeler. J'adore être dans les parapharmacies. Je flâne. Faut que je pense, je vais aller aussi racheter, ça va super vite. Mon gel douche de chez Rituel, je l'adore. Allumage caméra. C'était pas gagné d'ailleurs. Hein.
que je vous prenne face cam, nous sommes le lendemain matin. Que s'est-il passé? Vous avez vu, bah, j'ai très très peu filmé la soirée. En fait, nous sommes allés faire une toute petite dégustation de gin tonic. Ça va. Et donc, bah, compliqué. Franchement, j'ai bu deux gin tonic. On a bien mangé, comme vous avez vu. C'était excellent, donc c'était mexicain. Dans la nuit, j'ai fait de la tachycardie sur les coups de minuit, 1h du matin. Et jusqu'à 3-4h du matin, ça ne voulait pas se calmer. Ah, j'étais dans le mal. Et évidemment, je voulais vous montrer la robe. Et je vais l'essayer. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Et je crois que je ne vous ai pas montré non plus chez Pinky. Donc j'ai pris les deux hauts que vous avez vus que j'ai essayé. Notamment celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très classe. Il fait un beau port de tête. La matière est vraiment élastane. Bon, très agréable. 12,99€. Voilà, celui-ci. J'ai tout pris en S. Non, celui-ci, du coup, comme il est petit, je l'ai pris en M. Donc très bien, ça sera joli avec un petit blazer comme je mets. Et en fait, tu avais deux t-shirts achetés, enfin, quand il y avait l'étiquette comme ça. Le troisième était à 1€. Donc le troisième, ton choix. Mais bien sûr, c'est le troisième le moins cher des trois. Donc finalement, c'était sur celui-ci. Et j'ai donc pris celui-ci, je ne l'ai pas du tout essayé. Il est beau, hein, petite marinière. Bon, il m'a l'air un peu large. Et donc, je vais essayer ça et ma robe. Ma robe de chez Bisbee, quoi. Qui, comme je disais, premier abord, ne paye pas de mine. C'est floral, bon, elle est brillante. Elle a des ouvertures sur le côté. C'est très joli, un col, voilà. Portée, elle est ravissante. Donc je l'ai prise en S, elle est à 45,99€. J'essaie déjà ça, et après, on se fait la robe. C'est mignon, hein. C'est agréable. Serre un petit peu quand même des bras. En fait, j'avais peur que ce soit très très large, et non. Ça passe, donc ça je valide, je suis contente. Donc, je vais me reculer pour que vous voyez quand même mieux. Le haut, ça, volonté, mais juste ce qu'il faut, décolleté très mignon. Là, regardez, c'est ouvert du coup. C'est ouvert des deux côtés. Et attends, bah, elle est longue, hein. Elle est ouverte, ouais, elle est fendue. Je suis plutôt très contente de mes trouvailles. De mon vernis, je vous montre de plus près, donc au cas où c'est la teinte Pansy. P-A-N-S-Y, et je crois que c'est la marque Revlon en fait. Avant qu'on parte hier à Chartres, j'ai reçu quelque chose. Je reviens. Maison L'Oberon. Enfin, le luminaire. Mais ça, je vais vous montrer ça dans le prochain vlog. Quand on l'installera, ça sera quand même plus cool. Voilà. Bon, c'est d'ici qu'on se sépare. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog. Et je vous dis à lundi. Voilà, bisous.